Mais attention, interlude musical. C'est très le bug. Non, on va changer parce que sous l'océan, je pense que les abonnés en aura le cul. Voilà, tu as chanté qu'une seule fois et c'est devenu la séquence la plus. Surtout les reprises de Stargate. Hein. Fais chier, casque à la con. ça fait partie des barres. La poésie. If this is to end fine, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling now, Father, hold fast and we will watch the flames burn on and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees, and I see fire following souls. I see fire blooding the breeze, and I hope that you remember me. Oh. C'était beau, putain, je suis en train de chialer. C'est pas la chanson complète, mais elle est sympa celle-là déjà. Ah, splendide. Oh, ah, putain de merde. Je comprends maintenant pourquoi je lag maintenant que j'entends tous les blazes. HTP en base ACLB35, ça vous dérange pas? Non. Oh purée, attends. Vous avez 10 secondes. Attends, on récupère le four de l'argent des abonnés. 9. 8. Attends. Ok, j'ai retrouvé les accords de sous l'océan. T'es bénouillon. Ah, tu vas nous la jouer, celui-là, il est trop culte pour qu'on n'ait pas une petite deuxième. Ouais, t'as voir deux secondes, je me connecte au serveur. Ah bah non, en fait. Ouais, c'est mieux sans. Sous l'océan, viennent les requins te bouffent, les coquillages te coupent sous l'océan. Là sous l'eau tu survis à peine quelques minutes sans oxygène. Tu vas crever si tu restes trop longtemps sous l'océan. Oh yeah. Ah, il le fallait. Il le fallait. Rock and roll. C'est qu'à la fin t'as lagué, donc. Et si vous ne comprenez pas, bordel de merde, vous n'êtes pas de vrais abonnés. Non, c'est une référence à la saison 2. Je suis en train de tuer des squelettes. En d'ailleurs, tu as chanté à une tonalité différente, ce qui fait que c'est varié et que donc ce n'est pas trop répétitif. T'as mis le Keep Inventory ? Je vais le faire, attendez. Oui, parce qu'on a déjà d'une. On a trop d'or. En espérant qu'il loot un arc. Game rule, fais gaffe à ce que tu fais. Keep Inventory est true. Voilà, donc CLB35, Eldaimon, Frosty 29 et Mr. Fanax prennent d'assaut le temple du désert. Et Spirit Wolf, il va se faire foutre, hein, il est pas là. YOLO. Donc voilà comment le truc. Il y a des salles, il y a des salles avec des labyrinthes, il y a des coffres, il y a des mobs et il y a la mort. Oui. Philippe. C'est bien qu'il peut le faire. Je sais où tu te caches. Ah putain, il a fait peur. Oh putain. Alors, si j'avais déjà trouvé d'un coup là, le... Ah putain, merde. Laissez-moi passer, bordel de merde, ok. Attendez, Jean. J'ai des torches, ah. Argent d'abord. L'argent des abonnés. Là, c'est les zombies qui nous attaquent, genre les abonnés. Rendez l'argent aux abonnés. Non, jamais. C'est notre argent maintenant. Si jamais vous trouvez une clé jaune, sachez que on n'a plus aucune raison de rester. Et essayez de casser les coffres au fur et à mesure comme ça. Le donjon est à peine petit, hein. Ouais, alors là, évidemment, cette salle-là est finie, mais bon, là, on n'aurait même pas fait le centième. Il y a plusieurs étages. Ouais. C'est pas la fin. Ah merde, font chier aussi. Oh merde, j'entends du Jolly Blaze. Oh putain. J'ai pas de toc. Oh, c'est bon ça. J'ai des échelles, ceci dit. Normalement, on a tous pas mal d'échelles. Oh merde, attention, ah non, araignée pas. Moi j'en ai pas. Oh les blazes. Alors, sont mignons. Ce que je fais s'apparente à du suicide. Cool, j'aime bien. Merci le blaze. Oh, attention, araignée. Ah, c'était quoi ça?
J'ai que ça dans mon chat. Ah, on se purée l'empoisonnement. Oh là là. Je ne sais même pas ce que je frappe. Casser les spawners pour les plays, les respawns avec ça. Je ne sais pas où ils sont. Ah, je l'ai plus qu'à ouvrir. Ah, je vais crever. T'as qu'à faire ce que tu fais. Non, ah, j'ai crevé. J'ai crevé. Ah putain, je l'avais pas. Tu me parles de je l'avais vu, mais je l'avais pas fait. Il va rester un peu en arrière parce qu'il y a 3 kills. Mais je me prends toutes les araignées du monde. Oui, éventuellement le steak caché. J'arrive pas à rentrer là-dedans. Attends, je vais mettre des échelles. Ouais, j'ai trouvé un bloc d'or. Bah, je peux le prendre. Bah, je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre, moi. Ah oui, mince. Bah, moi non plus. Je le prends personnellement. Comme ça se fait, hop, voilà. Personne n'a rien. J'ai jeté un gaz powder, on s'en serait pas servi. Hein. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des salles de cette zone-là? Oui. Ok, bah là, on passe à la suivante. Car sous l'eau, tu sais aussi à peine quelques secondes sans oxygène. Tu vas crever si tu restes trop longtemps sous l'océan. Merde. Sous l'océan. Eh merde. C'est pas chanté. Ce que dit Steve Diamond, c'est que ça pourrait le saouler qu'on lui demande tout le temps la même chanson, mais il fait preuve de bonne volonté. Ah putain. Je sais pas les temps en plus, je sais pas le méfier. Donc le poison ne fait pas effet ici parce qu'on est en facile. Ah pourtant il m'empoisonne. Ah bon? Ah bah ça j'ai vu que j'ai 1 alors écoute. Hein. Ouais. Oh putain. Bah normalement à partir de maintenant elle n'empoisonne plus. Ok. C'est connasse. Ouais. Putain de merde. Ça tombe bien, il me reste plus qu'à demi cœur. Tu te rends compte que la déserte sans clé. Où suis-je? Diamond a trouvé la clé. Je suis en lévitation. MDR, au bout de 3 salles, ce sera le donjon du cours. J'ai dit moi. Bon, ça vous dérange pas qu'on fasse quelques autres salles? De l'eau. El Diamond a trouvé la clé, c'est merveilleux. Fuck les lois de la physique. Oh, une grotte. Oh là là, partout. Oh, c'est bon. On va prendre les autres salles quand même, parce que disons que ça a été un peu trop court là. Bon bah du coup, voilà, c'est fini. On notait ce donjon, il y a des grottes plein à craquer de monde. Bah, tu sais, chez nous aussi, il y en a un. Et puis là, on est quand même à quelques milliers de blocs de chez nous, donc... Oh putain de la lave! Bah, gros GG, Ed Diamond, tu sais que normalement ça prend 25 minutes de trouver la clé. Bah, c'était 25 petites minutes. Ouais. Le temps passe vite parfois. Tu parles pas, Ed Diamond, ou on t'entend juste pas? Ah bah, c'est les zombies qui sont en train de faire la queue là! Je comprends pas. Oh putain! Non, le poulet! Aïe, j'ai eu mal. Ils je mourrai pour vous les mecs. Non mais c'est quand même dingue de trouver la clé aussi. Mais non mais laisse, je veux prendre une screenshot, genre ils font la queue. On va se finir par se raccuser de cheat avec ces conneries là. Chut. Oh mon. Moi j'ai pas d'arc, j'ai perdu à cause d'un certain posti. Bon bref. Eldaimon, est-ce qu'il est encore là? Ouais, je suis en train de remonter moi perso. Ah ouais. Ouais. Mais sache que en fait. Si c'était moi qui ai trouvé la clé, j'aurais explosé de joie et j'aurais hurlé. Disons que quand même, t'as une luck monstre. T'aurais explosé de joie en trouvant le truc que t'as toi-même dissimulé. Bah oui, c'est facilement heureux. Vu que c'est complètement random en fait, j'ai mis complètement au hasard et puis vu le nombre de coffres qu'il y a, il y a une probabilité minime de le trouver vite. Quelle est cette porte dimensionnelle? Là je suis retourné à l'arbre. Disons que là, Eldaimon, t'aurais le droit de jouer au loto ce soir si tu veux. Bah dis donc, c'est la victoire avec le moins d'emmerde. Pourquoi moi, bordel de merde? Bah c'était une victoire trop facile. Mais j'aime bien le retour. Ouais, j'avoue. Là c'est comme Gandalf avec les ailes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, on est revenu comme ça parce que swag. Ouais, voilà. On a laissé faire le chemin retour normalement. On a pas le time, tu vois. Bah ce donjon c'était juste un gros troll. Voilà, complètement. Alors, ça, prochaine fois, on skippera la merde directement. La prochaine fois, on skippera la clé directement. Même pas en rêve, Fanax. Eldaimon, donc tu es. Donc Frosty vient te téléporter. Viens avec moi. Donc prends Air Slime et nous allons pouvoir, par cette belle lueur de daube, installer de une daube. De l'aube ou de daube? Moi aussi, là, un peu les deux parce que. Quoi, c'est beau, bordel de merde! J'ai totalement de bâton de l'œil! On est GG! Ah ben GG, écoute! Hein. Je me fais attaquer par un type avec une pelle, c'est quoi ce bordel?
What? Quelle est cette violence? Cette violence, c'est... Ouais, voilà, et Daemon prend cette clé qui est censée être sacrée et ultra dure à trouver. Qui est censée, hein, je précise. Viens par là. Nous allons pouvoir fêter le retour du démon, comme avec les deux saisons précédentes, en fait. Avec un truc swag. Avec un truc swag, à savoir, je jette ça dans le bon hopper, par contre, parce que si tu fais une connerie... Attends, faut que je repère le... Et voilà. C'est la joie. La joie. Frosty est mort de joie. Miniature éventuelle. Voilà. La joie. Le joueur est tellement beau. Mais tiens d'ailleurs, j'ai oublié de découper en épisode, moi, là c'est épisode 22 en fait. Mais merde. Plus qu'un demi-cœur, c'est génial. Alors l'épisode étant vachement trop long quand même, et que sachant qu'on fait pas le chemin et le donjon dans le même épisode normalement, cet épisode qui était censé être le 21 sera le 21 et le 22, on est d'accord? Donc faudra laisser sur un cliffhanger l'épisode. C'est toi qui as la mage et le montage. Je suis d'accord, c'est le B du montage, t'as pas intérêt à oublier parce que... Si vous voyez que c'est un long épisode et qu'on a commencé à partir aujourd'hui, sachez que c'est une grosse connerie montage. Et que c'était pas du tout censé se passer comme ça à la base. Et que je vous jure, je ne sais pas ce que je fais. Bon. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va s'expliquer avec celle-là. Bon, tu me diras, c'est swagé. Oui. Alors les mecs, patiente un instant, je reviens très très vite. D'accord. Oh, il est passé 16h, ça n'a aucun sens. Oh, le temps passe vite. Excusez-moi, il y a ma mère qui m'appelle. J'avais pas d'autres blocs à disposition en fait. Que fais-tu? J'ai enterré Eldaimon avec un bloc d'or. Oh, oh. La classe. Eh hey, mais t'es là toi? Bah oui, je suis là. Quoi? Mais c'est pas censé se passer comme ça. Quand je t'ai dit que ça prenait 2 secondes, ça prenait vraiment 2 secondes. Hein. Ça en a pris 15 ans. Il a tout pris sur la marchandise, hein, je dis. Y a tromperie sur la marchandise. Ouais, vous pouvez arriver à un moment où c'est bien chanté. Ça fait 1 heure qu'on tourne. Bah déjà apprends à faire des liaisons, putain, niveau maternel sup. Et ensuite, oui en effet, mais il y a des découpages en épisode. C'est à ça que ça sert. Magie du montage. Regarde, c'est vrai, ma webcam n'est pas branchée. Merde. Oui, ouf. C'est bien, il revient, il dit merde. Dis, Eldaimon, t'as pas trop de difficultés à remonter? Hein? Non, mais je cherche même pas à remonter pour l'instant, je suis pas là. Ah oui, ok. Mais tiens d'ailleurs. Considère que je suis pas là. Il y a un truc, tu vois, c'est le fait qu'on a trouvé la clé vite, ça a quand même changé quelque chose, c'est qu'on a pas trouvé beaucoup de ressources dans le donjon. On a juste trouvé la clé et puis basta. D'habitude, on revient avec plein d'or, t'es mort. Bah, on a déjà plein d'or, ça. Alors, je pensais que ça nous permettrait de rétablir ça, mais... C'est vrai que niveau or, par contre, je pense que les autres ont fait ce qu'il fallait, mais... Oh bah j'ai un stack de pépites. Oh. De pépites, mais ça vaut rien. Argent. Je m'en fiche. L'argent, ça vaut rien. Tu divises ça par 9 pour avoir le nombre en lingots, et puis au pire, l'or, c'est pas le plus important. Ah bah si. Frosty? L'or, c'est la beauté. Je vous ai envoyé une liste de chansons, dites-moi laquelle vous voulez entendre, parce que toutes celles-là, je les connais. Toutes en playlist. C'est parti. Allez. Bah, écoute, une ou deux, j'en sais rien. J'en connais pas beaucoup d'entre elles. The Lazy Song, on l'a chanté dans la BO 3. Demons. Moi j'aime bien Demons. Elle est jolie, hein. Demons. Allez, hein. Ça va bien avec le nom du type. Ouais, allez. Bon, du coup, Demons. Oui. De Imagine Dragons. Allez. Bon bah Varta Ambition, je vais me mettre à un endroit où je risque pas trop grand chose. Parce que là c'est pas que ça craint, mais on s'en rapproche. Fermez-le à double tour. Alors cette salle, on savait pas à quoi ça servait, finalement ce sera une salle de concert. Ouais, allez. Bon, il y a une horloge ici par contre, hein, mais faut pas faire gaffe, hein, et surtout la lave qui tombe du plafond. Bref.
Si vous voulez, on se met à un autre endroit où il y a moins de bruit. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon son et puis comme ça ira parfaitement pour la vidéo. Ah, c'est pas la vidéo settings, évidemment. Moi aussi, je vais enlever mon son. Voilà. On va enlever tout ce son pour profiter de Diamond. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Trop mignon. Alors, tout d'abord, attends, j'irai ce câble à la con. Attends, j'ai démarré mon frappe, je vais le mettre et puis je le mettrai sur ma chaîne. Si il est démarré correctement. Je dis ça. Oh, du contenu. Quand je commence. Ouais, bah on attend Spirit qui cède son fraps à l'ancienne. C'est drôle. Ça c'est absolument rien, c'est juste que je l'ai trouvé récemment, je trouvais ça cool. Voilà. Bon, bah attends, je vous joue la vraie quand même, parce que sinon ça se fait pas. Ah merde. When the days are cold and the cards are full and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fade and the ones we hate are the worst of all and the blows run stained. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's no else. Last of all, when the lights fade out, all the cedars crawl, so they dug your grave in the masquerade. Look how calm me now, at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. No, this is all for you, don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. They say it's what you make, I say it's up to fate. It's woven in my soul, I need to let you go. Your eyes, they shine so bright, I wanna save that light. I can't escape this now, unless you show me how. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. C'est beau. J'ai un peu galéré au début, non? Oui. Mais en fait, le problème, c'est surtout que t'as bugué pendant quelques secondes. Ouais. Mais bon. Avec une ellipse au montage, ça passera tout seul. Ouais. Ah la vache. Ellipse au montage, au passage, bon, je multiplie mes fichiers Fraps, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde, mais voilà. C'est la fin de mon petit bonus pour moi. Mais ça fait chier, je me suis carrément galéré. Je suis autobahn. Ouais, ça passe nickel, t'inquiète. Non mais c'était moche. La fin, c'était même très beau. Oui. Mais justement, que sur la fin. Parce qu'en fait, je l'ai prise récemment, celle-là, du coup, je la connais pas encore très bien, ça me fait chier. Boah. C'est bon. On chipote pas sur la MC4. Hein. Ça nous convient très bien. Donc bref. J'étais en train de. J'irais en train de contempler l'art de Fanax. Je suppose que c'est lui. Quel Déban, c'est le... Ça c'est peut-être Frosty, ceci dit. Oui, si c'est Frosty. Pardon. Je t'ai jamais banné en fait. T'as juste craché comme une merde en fait. Oui, c'est auto-ban en fait. Pourtant il est indiqué comme ban, mais c'est qui l'a ban en fait? Pas moi. C'est pas moi du tout. Non plus. Non, c'est pas ouais, mais d'accord, pouf. Qui a pas de Frosty, sérieux?
C'est l'enquête du jour, qui a ban Frosty? Frosty, ouais. C'est Autobahn. Ça serait trop bon. Frosty 29... Ah, c'est Frosty qui s'est ban lui-même. Champion du monde. C'était gratuit. Ouf. C'est gratuit. Hein. T'es unban au fait, hein. Enfin, t'es pardonned quoi. Pardonned. Pardonned, ouais. C'est très. Anglais. C'est du très franglais. Ouais. Pardonned. Ed. Bref. Est-ce que j'ai suis du franglais? Franglais, l'ancien. Oh, et j'ai la tête de Big Hoss 84. Je sais pas comment j'ai réussi à la faire, mais. Ah bah, faut la reposer à sa place. Je l'ai. Faut la reposer à sa place. Big Hoss qui n'est jamais mort. C'est où sa place? Parce que j'en sais rien, moi je sais même pas comment j'ai réussi à la voir. Tu vas me filer sa tête et. Bon bah, Big Hoss 84, Ed. Ça parle mal, ça parle mal avec les chiens là. Oui, mais ton culé est mou. Big Hoss 84, c'est qui? Diamond, t'es où? Je suis chez moi, je rentre à ma maison. Ouais, faudra que tu me files la tête pour que je puisse la reposer à sa place. C'est pas la note chopper. Ouais, bah bah viens chez moi, je t'invite à prendre le thé. Ok, j'arrive. J'ai pas de thé. Oh, mais c'est pas grave, je t'invite quand même. À prendre l'air. Ouais, voilà. Je banne Frosty 29 et cette fois-ci c'est assumé. Bon. Non, je déconne, slash pardon. Frosty 29. Parle mal. Non, mais j'avais déjà vu et j'étais en chemin, sérieux. Tu fais des choses mal ici, ça n'a aucun sens. Des choses mal. Y a plus de respect de nous. Il pleure. Pleure plus fort, gamin. J'aime ça. Tiens, d'ailleurs, je suis assez impatient pour la saison 6. La saison 6. Putain. Ouah, le mec qui prévoit tout. Pas de MBO, hein. Mais... La saison 6, c'est-à-dire de celle qui viendra dans 3 ans ou celle qui ne viendra jamais? Oh, celle qui viendra dans 3 ans, j'espère, ça me plairait plus que celle qui ne viendra jamais. Bah, on est à la 4, là, non? Oui. Oui. Bah alors, pourquoi tu parles de la 6? Non, mais je parlais de SLG saison 6. Ah, oui. Non, c'est pas par là, en fait. Révélation. Parce qu'on sait que Mathieu est décédé, mais pas trop. Ouais, voilà. Fermé dans l'espèce d'ordinateur. What the fuck? What the fuck? What? Ouais, il m'a retourné ce dernier épisode de la saison 5. Et du texte, en fait. Alors, du coup, la maison du démon. C'est le truc qui ressemble à rien qui est en train de se faire construire là. Spiritus Wolfis est en train de venir chez moi. Bonjour, ouais. Spiritus Wolfis. Ouais, le bienvenu dans ma demeure. Il y a des planches juste là. Je n'ai rien fait, vous n'avez rien. Mais c'est parce que c'est l'échafaudage. Tiens, espèce de CLB. Oh, et tu me traites pas de CLB devant moi, hein, s'il te plaît. La méchanceté. Alors, big up, bigos, MDR. Merde, ça. Fail. Et du coup, bah merci d'être sur la MC4. Et on va reposer ta tête en lieu sûr. Toutes mes condoléances d'ailleurs. Sa tête s'est fait déchiqueter dans un accident de voiture. Oh. Oh, quel dommage. Heureusement qu'il en a une nouvelle. On va le regretter tellement. Mais il a cliqué sur respawn, attends, t'inquiète pas. Mais depuis quand est-ce qu'il y a des voitures dans le Minecraft? Des chevaux, bah depuis que IGA Minecraft a fait un no mode pour ça. Ah putain. Minecraft, je veux bien. Non mais il y a des voitures dans Minecraft grâce à IGA. Qui les a conquis. IGA, notre seigneur. À partir d'un seul command block. Enfin. Il y a le format one command qui fonctionne bien. C'est... Un petit template qui... Ah ouais, c'est vrai, maintenant les portes ça en fait 3, c'est trop bien ça. J'aime. Je like. Je vais pas dans la bonne direction. Quelqu'un peut-il me tuer? Non, j'ai rien dit. Avec plaisir. Ah là là. Oula. C'était quoi ça? Un pseudo-mère démoniaque. Je me suis fait peur là, j'avais eu l'impression que les épisodes étaient morts parce que j'enregistrais pas le son de ma voix.
mais je suis un peu parano. J'ai pas envie de perdre ces épisodes, ils sont sympas, ils font partie des meilleurs. Alors là, on a la bombe qui explose de Bigos. Merde, faudrait que j'aille récupérer du sable. Je vais pouvoir m'enchanter. Voilà. De l'armure que j'ai. Ne pas rester ici, qu'il me dit. Hein. Bon, avec une faute d'orthographe, mais au pire, c'est pas très grave. Tiens, ça c'est l'ancienne, enclos de Nogar. Hein, quand Tarjof avait sa base ici. Tiens, d'ailleurs, Tarjof n'a pas été là aujourd'hui. Et oui. On aurait été 6, ça aurait été rigolo. RIP et Tarjof. Ah bah non, il est pas mort. Dommage. Il est mort à la fin de la saison 3, mais il s'est régénéré. Soit de poule. Tu connais le Docteur Who ? C'est bien. Bah, oh. Malheureusement, je connais Doctor Who que de nom. Sacrilège, hein. Sacrilège. Bon. Certes, la saison fait plus de 700 épisodes. Personne ne le connaît que de nom. Parce que personne ne connaît son nom, lol. Personne ne connaît son nom au docteur, évidemment. Mais oui, personne ne connaît le nom du docteur. C'est pour ça qu'on est Docteur King. Oh putain. Par contre, Doctor Who, c'est génial ici. On peut le découvrir à partir de saison 2005, hein. Donc le reboot. Hein. Oh, c'est enchantant, c'est enchantant. Il y a 8 saisons et la 9ème est déjà annoncée. Qu'est-ce que tu putain de merde repose ça à sa place, Frosty? Frosty, tu crois qu'on t'a pas vu? Frosty, si tu touches au gâteau au passage, bref. Philippe, si tu touches au gâteau, je suis CLB, est-ce que t'as encore des levels? 15. Pourrais-tu m'aider à enlever mon casque parce que. Parce qu'en fait, sinon, si j'enchante moi-même, bah j'ai respiration en fait. C'est absolument rien. T'inquiète pas, je vais te prendre ton casque et j'essaye de mettre le meilleur enchantement possible dessus. Bon, ceci dit, j'ai qu'un lapis. Ouais, merci. Ah, bouge pas, tiens. Ah, boule. Voilà. Frosty, retire cette tête de notch tout de suite. Disons que j'ai claqué pas mal de mes levels, mais. Non, deux en fait. Mais ça coûtait assez cher. Mais ça m'aura pris que deux vu qu'il y a le nouveau système. Et voilà, P2. Merci. Et donc nous allons arrêter l'épisode là-dessus les amis. J'espère qu'il vous aura plu et que la présence d'Eldaemon aurait été sympathique. Peut-être qu'il sera un tout épisode. Qui sait? Mystère et boule de Noël, je ne sais pas moi-même. Donc sur ce, je vous remercie de visionnage. Je vous incite à mettre un pouce vert pour la musique au moins. Hein, soyez gentils. C'était un pouce vert. Et devinez quoi, c'était CLB. Mais sur ce, je vous dis au revoir. C'était Jean-Paul. Oh, ah. Révélation. Tant, tant, tant.